très très bien intercepté une nouvelle fois là par Adel Koudri. Avec Munoz. Oh non, très bon contre une nouvelle fois là par Gap. Attention, ça peut être dangereux parce que l'on est sur un 3 contre 1. Le tir et le but. Oh, l'ouverture du score. Et même la zone de Paul Sud qui vient célébrer ce but gapensé. Alors, pour la plus grande joie des Eagle Four venus en nombre. Et c'est sous un compte mérité que cette équipe de Gap, vraiment surprenante, va aller prendre l'avantage au score 1-0 pour les Rapaces. Avec un contre clair et très bien exécuté. Koukoula, mais non, il va conserver les palais, Damien Fleury. Il continue, il a des options avec Koukoula. Koukoula pour Fleury, on peut aller trouver la pointe du côté grenoblois. Avec la passe, le tir et le but. Oh, quelle déviation d'Adel Koudri pour aller égaliser pour Grenoble. Le play était sur le point de se terminer. Mais quelle magnifique exécution collective pour aller recoller au score. Et Grenoble qui va aller égaliser un partout. Ah, le temps fort de Gap qui aura pas duré trop longtemps sur le coup. Mais c'est vrai que là il aura fallu quelques tentatives, mais ce sera sur le. Ce sera sur la cheville de Champagne. Avec Fleury une nouvelle fois. On a de l'espace, il reste 32 secondes. 32 secondes à jouer pour Grenoble. Avant le retour, le tir et le but. Oh oui, il ne manquait plus que lui, Damien Fleury et son one-timer pour permettre à Grenoble de prendre l'avantage 2-1. Ah, il fallait plus que ça pour faire exploser Paul Sud. Mais en tout cas, c'était très bien joué. Là, on a vu que même au niveau des deuxièmes efforts, que ce soit Joël Champagne, que ce soit Nicolas Deschamps, on a très très bien utilisé les espaces. Ça commence à devenir très chaud. Et là on va perdre le contrôle de la crosse. Et rien n'a été ciblé. Ouh, ouais, ça aurait pu être utilisé cette décision. Attention. En deux temps, droit dans les buts. Ouh. Et oui, on proteste du côté de Gap. Mais. Attention, ouais. Non, le but sera accepté. Oh, le but sera accepté, ce sera 3-1 pour Grenoble. Et là, ouais, vraiment, on a un Bosnian Gojcic fou de rage qui demande des explications à l'arbitre parce que le fait de jeu était en effet litigieux. Et il va même partir en prison, Bosnian Gojcic. Ouais, le dénouement de cette deuxième période est cruel pour les Rapaces de Gap. Ah, ça passera un peu trop loin là sur le coup avec Der. Dommage parce que là il y a une opportunité. Il y a une opportunité pour Nicolas Deschamps. Le tir. Oh non, le but. Oh, le but. Et Grenoble qui vient peut-être crucifier l'issue de ce match en infériorité numérique. Et c'est Nicolas Deschamps qui vient crucifier les hommes de Gap. Ah, quel cruel scénario. Quel cruel scénario alors que Colotti avait presque fait tout le travail. C'est une passe lumineuse qui vient emmener Nicolas Deschamps jusqu'à trouver le five balls de Julian Juncker. Et c'est plus un.